Bonjour à tous et bienvenue sur MTGQ Channel, Matt avec vous. Aujourd'hui, je vous présente notre premier test d'enregistrement avec notre nouveau setup. Comme la plupart d'entre vous le savez déjà, la majorité de nos events, c'est du Commander 1v1 dans un format qu'on a appelé le Beat-up Commander, format qui est encore en définition, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à aller voir cette vidéo-là. Donc, avec la ligue qui s'en vient, les différents events qui s'en viennent, je me suis dit que ça serait cool de pouvoir vous partager des matchs de ces events-là. Fait que c'est pour ça que j'ai travaillé sur un setup d'enregistrement. Puis on a fait un premier test, moi et Benjamin. Moi, j'ai joué Finn the Fangbearer. Benjamin a joué Riel, donc un deck qui est fait pour le 1v1 et un deck qui n'est pas fait pour le 1v1. On n'a pas utilisé les règles de Beat Up Commander. L'objectif était d'avoir un match qui pouvait être assez rapide à vous présenter. Puis moi aussi pour voir au niveau du montage qu'est-ce que ça demandait comme temps. Donc, sans plus tarder, je vous laisse avec le match. Partagez avec nous en commentaire des suggestions, des idées, tout ce que par rapport au match, on veut votre feedback afin de pouvoir s'améliorer. Donc, sans plus tarder, je vous laisse avec la partie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est parti. Bon match. Je vais garder ça. Moi aussi. Alright. Forêt. Puis on va jouer une Wasteland Viper 1-2 Dead Touch. Avec, je pourrais Blood Rush, un vert, je la discarte, target à créature, gagne plus 1, plus 2 et Dead Touch jusqu'à la fin du tour. C'est à toi. Je vais jouer une Nyland, ça va être une fin de tour. On tape Popkey. Draw, forêt, fine, deux poison. Deux poison, puis ouais. puis deux dommages. Un dommage. C'est une 1-2. Et ça va être là. À la fin de ton tour, je vais brainstorm. Hein. Ok. Mountain. Je la tape pour un seul ring. Je tape pour un bleu. Je consider, donc je regarde le top card de ma librairie, je peux la mettre dans mon grave. Quand je suis suite, je pige 1. Je vais mettre dans le gray, ça va être un Diamond Lion. Je pige 1. Ça va être une fin de tour. On tape. Ok. Draw. Land pour le tour. Qu'est-ce qu'on va faire? On fait ça tout de suite? Non. On fait ça. Ah, t'es tapped out. Crossant une grippe sur le sol ring. On va le tap pour deux colorless. Ça va mourir dans ta poule. On va te faire 2 plus 4 poison. T'es rendu à 6. Ouais. C'est à toi. C'était 2 dommages en tout. Ouais. Juste assez pour te ralentir. Pour pas qu'au prochain tour, tu me fasses de quoi de plate. Ben, ça. Je veux dire, j'ai prévu jouer avec de la mana, là. Ouais. Je vais taper pour un World of Colorless, puis jouer Conspiracy Theorist. Puis, bah, sans mana. T'en as de la mana. On a autant de mana. Bon, théorie du complot. On tape Popkey. Draw. Land pour le tour. Rabbit Bite de 1. Ça c'est. Target. Je fais des points de dommage égal à mon power, une créature que je contrôle pas. J'ai Dead Touch. 2 poison. Et c'est fini. Très expéditif. Avec deux créatures, c'est bien assez.